Asimov, alors je suis désolée de faire cette interruption voilà dans la vidéo. J'ai merdé un réglage son, ce qui fait que du coup le son du jeu est plus fort que le son de ma voix. Je ne peux rien y faire malheureusement parce que j'aurais dû le régler au moment du tournage, mais comme je fais des épisodes en une seule fois et que je fais pas de pause entre-temps, et puis même je vais pas faire plusieurs coupures pendant l'épisode pour être sûr que ça ait bien marché. Du coup, je m'en suis pas rendu compte. Donc, je m'en rends compte en faisant le montage et je suis désolée pour ça. Voilà, je vous souhaite quand même un bon visionnage. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bonjour la team, c'est Firefly et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 3 sur Pikuniku. Alors la dernière fois, on était allé ouvrir le temple avec les pommes là, je sais pas quoi là. Et on avait réussi à faire du bass kick, si je me souviens bien du nom. Et on avait aussi aidé le peintre à effrayer les oiseaux. Et du coup, le robot voleur, parce que c'est clairement un voleur, est venu et a récupéré les plantations. Bref, maintenant les oiseaux sont partis, donc on peut aller explorer le monde et c'est ce qu'on va faire. Alors par contre, on peut pas atteindre les nuages en haut, ok. Bon, encore une fois, hein, vous vous souvenez, la manette, si vous l'entendez, je suis désolée. Je fais mon maximum pour qu'on ne m'entende pas, mais malheureusement, de temps en temps, ça arrive. Oh là. Ok, hop. Hop, petit nuage. Oui, ça j'aime. Ah, c'est tout? Ah, ok, un peu déçu. Hop là, oh là. Ça, c'est un gros caillou, ça. Sais pas pourquoi je fais ça. Oh. Ok. Bon, et ben, c'est parti, let's go, hein. Il est trop mignon, les gars. On est d'accord, il est trop. Ah! C'était pour passer. Bah, je savais même pas. Je fais des trucs, je suis même pas au courant. Je peux aller sur ce nuage? Oh, attends. Si je suis sûre, il y a moyen. Je suis sûre, il y a moyen. Il y a moyen. Je vous assure, il y a moyen. Bon, en fait, il n'y a pas moyen. Allez, on y va. Ça m'a saoulé. Oh, les petites fleurs. Alors, du coup, c'est par là-bas. Enfin, je crois, hein. De ce que j'ai compris, c'est par là. Oula, attends. Ok. Hop, ça c'est good. Non, j'ai dit ça c'est good. Hop, voilà. Ensuite, là, je peux ouvrir ça. Attends, mais là, c'est la suite du jeu, là. Moi, je veux pas aller là. Attends, comment? Je sais. Oh, ah, c'est du génie. Oh, est-ce qu'on va voir le petit cafard? The fuck, man? Il y a toujours des trucs bizarres. Je comprends pas pourquoi il y a des petits insectes qui font ce genre de trucs, mais ok. Je pouvais pas l'ouvrir en fait la porte, ok. Hop, let's go! Wouhou! Les champignons trampolines, évidemment. Tout est normal dans cette situation. Comme le fait d'être un. Qu'est-ce que je suis d'ailleurs? Personne ne s'est jamais posé cette question, mais. Qui est Picou, les gars? Juste. Ah, je suis tombée dessus! En vrai, non, mais je me pose vraiment la question. On est quoi? Picou, c'est un quoi? Je comprends pas. C'est pas un animal, les gars. C'est un petit bonhomme rouge. Bon, remarque. Hein, après tout. Allons-y. Oh! Olé! Je sais pas où est-ce que je vais là. Trop stylé! Wow! Ah, c'est des fleurs! Les petites fleurs! C'est tout mignon, tout beau!
Waouh! Attends. Ok, hop. Oh! Ok. Vas-y, on refait un tour, Michel. Hop! Ok, c'est bon, j'ai tout eu. Let's go. On se barre. Je suis un brigand, moi. Oh, une pièce! Mais tu m'amènes jusqu'à la pièce, mais t'es un. Mais t'es trop beau, toi. Petit nuage, t'es beau gosse, mon pote. Ah non, 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 ça par contre, fallait pas. Je t'assure, c'était pas nécessaire. Rembarque-moi, s'il te plaît. Merci, mon pote. Hop. Ok. Où est-ce qu'on va? Oula. Bon. Wouhou! Allez, allons explorer le monde, c'est ce qui était marqué. Oh. Un nouveau village? Oh non, ça me ramène là, ça pue. Casse-toi. J'ai fait des trucs, c'était pas volontaire. Allez. Des pièces. Non mais les gars, je vais te péter de thunes, c'est pas possible ça. Ah ouais, ça me ramène là. Pour l'instant, dans cet épisode, on aura juste récupéré des pièces. Hein. C'est très peu utile. Hein. Aïe, aïe. Non, non, non. Non, non, retourne pas là-dedans. Est-ce que je peux monter par là? Ok, je peux pas. Bon. C'est peut-être pour ça qu'effectivement il y avait des nuages. Avec les petits bruits de pas, c'est trop mignon. C'est le jeu de la mignonitude. Ah d'accord, un nuage qui m'emmène à un autre nuage. Non mais. Faut arrêter à un moment donné. Et qui m'emmène encore à un autre nuage. Hein. Oh! Pourquoi? Les branches, c'est des trampolines! Ok! Waouh! Mon Dieu! Ouh. Sam's Potteries. Les poteries de Sam. Traduit en gros. Oh. Bien le bonjour. Bienvenue dans mon atelier de poterie. Moi, c'est Sam, la potière du coin. J'ai fait toutes ces poteries moi-même. Haha. Je t'en prie, prends ton temps. Ok, alors du coup, les petites poteries. Oh merde! Je peux tout casser? Et si je casse tout, ça fait quoi? Bah après tout, peut-être que les poteries sont faites pour être détruites. Oh non, mais la pauvre, en vrai, j'ai pété ces poteries. Je suis vraiment un être horrible. Ils avaient raison finalement, je suis un monstre. Oh. Sam, la slime. Slime, slime. Je sais pas, je sais pas, est-ce que en français on dit slim ou slime? On va dire slime la. Slime, bien sûr. Sam la slim. J'aime bien slim. Ouais. Oh, je sais pas. Est-ce que je peux monter là-haut ou pas? Genre si je fais. Ah d'accord, je passe à travers les arbres. Ok, non mais sans problème. Ah non! Il me faut maïs. Ah mais oui, c'est l'arrosoir. Bon, j'ai toujours pas d'arrosoir, donc. Oula. Oula. Explore le monde. Ok. Toujours des glands. Bon, en même temps, normal, on est dans une forêt. Ah, je peux monter? Ah ouais. Et je peux monter sur cela? Ah non. Bon. Ok. Ah oh! Waouh! Ça n'est pas passé loin! Ah mais ils viennent ici aussi les robots. Non mais sérieusement là? Ce robot est en train d'abattre toute la forêt! Quelle naze!
Et maintenant, mes amis sont coincés. Il faut que tu les sauves. Aide les villageois coincés, un sur deux. Ok. Mais ils sont où? Ils sont par là-bas, du coup, je suppose, hein. Donc là, du coup, on a un nouveau village avec des nouveaux villageois. Du coup, c'est pas les mêmes habitants que là-bas. Ah, l'eau croupie. L'eau croupie, vous savez, cette fameuse boue qu'on trouve dans la forêt. On l'aime tous. C'est faux. On la déteste tous. Ah! Au secours! Oh. What? Attends, je peux faire bouger le... Attends. Attends, comme ça, c'est... C'est pas trop mal comme ça, je peux passer là. Attends, mon pote, j'arrive! Ah oui, mais... Si, attends. Attends. Attends, hein. Je peux le faire, attends. Attends! Attends! Bon, on va tourner ça. Ok, là, c'est... non, attends. Oui! Non! Mais attends, mais putain, je suis débile. Et là, maintenant, je peux faire ça, mais oui. Ben voilà, c'est beaucoup plus simple. Ok. Hop! Et ensuite, hop! Bra! C'est bon. Ah, tu m'as sauvé! Merci, ce crétin de robot m'a pris par surprise. J'ai cru que je n'allais jamais pouvoir quitter cet arbre. Mais non, c'est bon, tout va bien. Je suis un picou. Un picouman. C'est comme Superman, mais version picou. Picouman. Ce gros rocher bloque le chemin. Attention! Oula. What? Slowmotion sur la pomme de pin. Ah, je suis morte. Ha ha ha! Rien de mieux qu'une pomme de pin explosive quand il faut détruire un gros truc. Ok, un de sauvé, plus qu'un à secourir. Vous êtes trois? Comment il marche, ça me fume. C'est quoi, c'est des feuilles? Vous êtes quoi, des feuilles, les potes? Ouais, en vrai, je suppose. Hé, toi! Aide-moi à descendre! Oh là là, ça m'a l'air périlleux pour monter là-haut, mon pote, hein. Oula. Oula. Ok, ça c'est dans ma poche. Attends. Attends, attends, non, 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 non. C'est de ce côté-là. Ok, pas bouger. Comme ça. Hop, c'est bon, j'y suis. Ensuite, je monte, je continue à monter. Voilà. Hop, la chouette. C'est ciao. Waouh! Je te connais pas, mais tu m'as sauvé la vie. Merci! What the fuck? Mais c'est vrai, je crois que eux, c'est des feuilles pour le coup, je pense. Ok. Il a dit aussi. L'équipe est de nouveau au complet. Retournons au village. Waouh! Le robot est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Hé, hey, toi. Oui. C'est moi que vous parlez. Oui. Encore merci de nous avoir aidés. Ça te dérangerait de faire une dernière chose pour nous? Tiens, donne juste un coup de pied là-dedans. Je suis mort. Oh. Des pommes de pin explosives, quand même. Ah, parfait. Quoi? Il a l'air débrouillard. Peut-être qu'il pourrait nous aider, genre à plein temps. Je sais pas, on le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il veut. Pourrait peut-être le mettre à l'épreuve pour voir ce dont il est vraiment capable. Je suis toujours là, hein, si jamais. Pendant que vous parlez de moi, en faisant comme si j'étais pas là, je suis quand même là, hein.
Hey, t'as l'air de vouloir aider. Notre organisation pourrait t'intéresser. Retrouve-nous au club. Au club. Même Picou, il a rien compris. Il est là en mode What the fuck, man? What the fuck? Oh non, pas l'eau croupie. J'en ai marre de l'eau croupie. Oh, un écureuil! Attends, je veux mettre un panier avec ma tête. Enfin, avec mon corps, avec moi en fait. Je suis morte. Il y a l'écureuil qui est remonté. Oh, c'est quoi ça? Bon, bah, je peux shooter dedans. D'ailleurs. Oh, c'est quoi ça? Il me faut une sorte de carte, on dirait. Carte d'accès. D'ailleurs. Jusqu'à où je peux aller? Oh, des petites abeilles! Oh! Est-ce que ça serait pas le point? Ah non, je suis un peu déçu. Oh putain, il faut un arrosoir. Mais l'arrosoir, les gars, ça va me servir à trop de trucs. C'est une dinguerie. Où est-ce que j'ai l'arrosoir là? Oh, un deuxième écureuil. Mais il y a mes amis les oiseaux là-haut. Bonsoir. Ah, je peux pas y aller, d'accord. J'ai compris. On va te parler à toi d'abord. Le videur du club m'a dit que j'étais pas assez stylée pour rentrer. C'est juste mesquin. Tu es cool. Non, c'est toi qui es cool. Merci mon pote. Oh, il faut une... Ah, il faut une... Un genre de carte de jeu potentiellement. C'est pour une vieille Nintendo, on dirait une vieille console, quoi. Hé! Si tu mets du fromage râpé dans tes pâtes, fais la vaisselle directement après avoir fini de manger, sinon le fromage durci et colle à l'assiette. C'est vraiment pas drôle. Ouais, je... T'es un malade, toi, hein? Pourquoi tu me dis ça, Thierry? Oh. Il me fait un truc... Mais c'est pas ça? Mais faut faire quoi? Je vais refaire mes beaux sourcils quand même, attention. Il mérite d'avoir des beaux sourcils, cet arbre. Voilà, bah, pas content! Waouh! Quel dessin! Il a un je ne sais quoi. Sérieusement? J'ai fait le pire dessin du monde. Il y a encore les caméras. J'ai fait le pire dessin du monde et lui me dit c'est vraiment cool ton dessin. Oui, bien sûr, mais si tu le dis, je comprends. C'est forcément le meilleur dessin du monde, hein. Ouais. Salut mon ami le Piaf. D'accord. Bon, il faut encore l'arrosoir, évidemment. L'arrosoir, t'en as besoin partout. C'est simple, t'as pas d'arrosoir, tu peux pas vivre dans ce monde. Alors, est-ce que je peux rentrer dans cette maison? Absolument. Oh, bonjour. Eh, hey, salut. Désolée, je suis un peu occupée. J'essaie de finir une chanson pour mon prochain album. J'ai presque fini. Attends, tu veux me donner un coup de main? Oui. Top! Laisse-moi me mettre en place. Ok, je suis prête. Il faut que tu tapes sur le klaxon au bon moment, quand le cercle rouge passe sur le rectangle jaune, ok? C'est parti! Parfait! C'était top! Ok, une minute. Laisse-moi éditer ça. Ça y est! C'est un véritable chef-d'œuvre. Écoute ça! Ha
qu'à la fin, il y a un petit tout. Alors, tu en dis quoi? Il est traumatisé. Ton coup de klaxon donne tout son sens au morceau. Ça déchire. Ouais, je sais. Bon, merci pour ton aide. Voilà tes royalties. Chapeau fleur. Chapeau fleur? Et ça fait quoi? C'était sympa. Je peux changer de couleur? Waouh! Je sais pas quoi ça. Je peux changer de couleur, mais c'est inutile a priori. Ouais, du coup on va aller au shop. Let's go. Voilà. Tiens, on va acheter les lunettes. Tu vas acheter ces lunettes stylées? Oui. Génial! Lunettes de soleil. Ok, merci. Tu vas acheter cette carte postale? Bah ouais, génial. Une carte postale, la forêt. Ok, merci. Il a dit tu veux acheter ces lunettes, je sais pas ce qu'elles font, mais elles ont l'air bizarres. Génial. J'ai pas assez d'argent. Bah faudrait que je revienne du coup pour les acheter. C'est 70, c'est cher. Tu as vu le roi de la danse au club? Il bouge trop bien. J'aimerais tellement savoir danser comme ça. Tiens, je suis à 68. Hop, nickel. Plus que deux pièces et je pourrais les acheter. Je sais pas ce qu'elles font, je sais pas quoi elles servent, mais. Hé! Je crois qu'il y a un truc qui cloche avec mon toaster. Je peux y jeter un œil? Oula. Quoi? Qui a eu l'audace de me réveiller? Le coupable sera sévèrement puni. Ok, quelque chose ne tourne définitivement pas rond. Entre dans Toastotopia. Bah non, du coup, on le fera la prochaine fois. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous. And most importantly, believe in your dreams because everything is possible. Ou autrement dit, croyez en vous, parce que tout est possible. C'était Firefly. Salut tout le monde!